Bonjour et bienvenue à tous pour ce culte. Je vous invite donc à vous asseoir. N'hésitez pas à vous installer devant. Promis, on ne mord pas. Bienvenue donc en particulier à vous qui êtes de passage. Je vois des têtes connues qui viennent de temps en temps. Ou si vous êtes présent pour la première fois, et aussi si vous nous rejoignez par YouTube, soyez les bienvenus pour ce culte. Ensemble, nous nous réunissons autour de notre Dieu pour un temps de culte en son honneur. Même si nous arrivons tous par des chemins différents, Dieu nous invite à nous poser ce matin devant lui. Il ne nous demande pas de faire semblant, de prendre des pauses, mais simplement de nous ouvrir à sa présence par son esprit, à ouvrir nos yeux pour le voir, nos oreilles pour l'écouter, à ouvrir aussi notre bouche pour lui répondre, et notre cœur pour le laisser nous transformer. Alors je vous invite à vous lever pour chanter notre désir de nous présenter ensemble devant Dieu. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous venons à toi. Merci parce que c'est toi qui nous accueilles. Tu es avec nous tous les jours, dans tout ce que nous faisons, bien sûr. Mais tu nous invites à ce temps de rencontre avec toi, ce temps d'écoute et de réponse. Alors, Seigneur, nous voulons nous rendre disponibles à ce que tu veux nous dire, nous montrer ce matin. Que ton esprit nous conduise et nous parle. Nous te confions aussi ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, que tu les bénisses là où ils sont, qu'ils sentent la chaleur de ta présence, le réconfort de ton soutien, la vivacité de ta parole. Amen. Et je vous invite à vous asseoir. Pour commencer ce culte, je vous invite à écouter le début du psaume 1. Parmi les psaumes, il est un petit peu particulier parce que les psaumes, ce sont des prières qu'on trouve dans l'Ancien Testament qui ont été donc dites puis écrites par des croyants juifs. Mais le psaume 1, ce n'est pas vraiment une prière, c'est plutôt une méditation, un écrit de sagesse qui déclare ceci:
le bonheur se trouve auprès de Dieu. Donc je vous lis les premiers versets, ils s'affichent aussi, vous pouvez les suivre. Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des cours d'eau, des canaux d'irrigation, un arbre qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est un psaume auquel on revient souvent. Mais l'été dernier, je l'ai redécouvert grâce aux savants algorithmes d'une plateforme d'écoute musicale qui m'a conduit à découvrir un groupe de musique originaire du Moyen-Orient qui s'appelle Mikdem. Ce sont des chrétiens d'origine juive qui ont comme particularité de mettre en musique des morceaux de l'Ancien Testament, exclusivement des morceaux de l'Ancien Testament, dans leur langue originale, l'hébreu. Alors musicalement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils combinent à la fois des instruments modernes et des instruments traditionnels, donc ça donne quelque chose d'assez unique. Mais au-delà du côté exotique et du fait que ça me fait travailler mon hébreu, comme ça je peux bien assurer pour les études sur la Bible en version originale, ce qui m'interpelle surtout dans leur travail, c'est leur réflexion artistique. Et dans cette réflexion, les choix qu'ils font pour mettre en scène, on pourrait dire, telle ou telle parole. Instinctivement, on a tous notre lecture, même si le texte est juste écrit, on plaque nous-mêmes le ton, les virgules, les pauses, l'intensité dans ce qu'on lit. Et écouter une lecture de quelqu'un d'autre ou simplement la mise en chanson par quelqu'un d'autre, ça montre là où eux, ils mettent l'accent. Ah, il y a des problèmes de micro, non ? Non ? Là, j'avais l'impression, pardon. Ça montre là où eux mettent l'accent et la façon dont ils comprennent, eux, ce texte. Et un des morceaux donc, qui m'a le plus percuté avec ce groupe, c'est justement le psaume 1. Je me suis rendu compte en les écoutant que depuis mon enfance, ma lecture par défaut de ce texte, c'est une lecture solennelle, grave, qui reflète bien les avertissements du début de ce psaume. Attention à ne pas s'associer avec les méchants, les moqueurs, les insolents, les transgresseurs. Mais pour vivre et pour grandir et pour se développer, il faut choisir la loi de l'Éternel. Et le mot « loi » accentue encore cette impression de sévérité, de solennité, peut-être même d'austérité. Souvent, on a du mal avec les interdictions. On craint le Dieu qui nous empêche de faire les choses. On craint le Dieu juge. Et la loi, on l'envisage comme quelque chose de nécessaire, mais comme quelque chose de sec. Et souvent, j'entends, dans notre église, mais dans d'autres églises aussi, cette opposition entre la loi et la loi de l'Ancien Testament, donc la loi un peu sèche, et puis la grâce présentée par le Christ dans les évangiles, l'accueil du Christ, sa passion pour l'amour, pour la justice. Et du coup, on est un peu gêné en tant que chrétien devant ce psaume 1. Ce qu'on a envie de méditer et de redire jour et nuit, c'est peut-être pas la loi, c'est la grâce. La grâce, oui, on veut bien. Mais la loi, ça paraît trop dur, trop contraignant, trop aride, puis peut-être aussi dépassé par rapport à l'amour du Christ. Alors certains diront, à très juste titre, que le mot « loi » en fait n'est pas très bien traduit et qu'en réalité, le mot « Torah » qu'on trouve dans l'Ancien Testament désigne plutôt l'enseignement, l'instruction, plutôt comme l'école. Alors moi, j'aimais bien aller à l'école, je pense que tout le monde n'était pas forcément dans ce cas-là, mais de là à aller à l'école jour et nuit, quand même pas, il ne faut pas pousser, vous voyez. Donc quand on dit « méditer la loi de Dieu jour et nuit », c'est ça le bonheur. Qu'on ait une vision très austère ou qu'on ait une vision plutôt positive comme l'école,
ça reste difficile à entendre. Alors après cette longue introduction, je vous propose d'écouter un extrait de la chanson de ce groupe, Mikedem, avec la transcription sur la diapo quand même. Donc il y aura l'hébreu et puis ensuite le texte en français pour que vous puissiez suivre. C'est court, hein, c'est même pas une minute, pour que vous puissiez entendre leur façon de recevoir ce texte du psaume 1. Tu peux y aller. אם לא ישר כי בתורתו אדוני חפצו ובתורתו יבגע יומו בלילה. Je pense que vous êtes plus loin que ce que j'ai prévu. On recommence. Je remonte. Voilà. Voilà. אשר לא הלך בצד רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב כי בתורת אדוני חפצו ובתורתו יבגע יומו בלילה והיה קט שתון והיה קט שתון על פנגל Voilà. Tout à l'heure, vous pourrez entendre le chant en entier à la fin du culte. Je ne sais pas comment vous l'avez reçu. Moi, je l'écoute un peu en boucle hein, depuis cet été, donc je finis par le connaître un peu par cœur. Mais ce qui m'impressionne, c'est la joie et l'espèce de débordement, d'ébullition, d'effervescence qu'on retrouve vraiment dans ce chant et qui m'a interpellée. Non seulement la loi de Dieu, c'est un enseignement qui est bon, qui est sage, qui peut nous faire grandir, mais là, ça va plus loin. C'est vraiment une source de joie. C'est vraiment une source de plaisir. Et ça, ils ne l'ont pas inventé, parce que c'est dans le texte. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. D'ailleurs, ce texte commence par un heureux. Heureux l'homme. C'est pas c'est bien... où cet homme sera quelqu'un de bien, etc. C'est heureux, un vrai heureux, plein, comme cet arbre qui est décrit à la fin, un arbre plein de sève débordante qui porte du fruit. Se mettre à l'écoute de Dieu, nous dit le psaume, c'est ça la voie du bonheur, c'est ça qui nous épanouit. Et Jésus reprend la même idée dans le discours sur la vigne, dans l'évangile de Jean au chapitre 15, je lis juste quelques versets. C'est Jean qui s'adresse à ses disciples en disant « Je vous ai aimé comme le Père, Dieu, m'a aimé. Alors restez dans mon amour. J'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. Et je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et que votre joie soit complète. » Jésus fait le lien entre la loi, les commandements, la volonté de Dieu, sa présence, être avec lui, et la joie. Nous mettre à l'écoute de Dieu, nous lancer à sa suite aussi concrètement en cherchant à mettre en pratique sa volonté, c'est la plus grande des joies parce que nous sommes au plus près de lui, nous sommes en contact avec lui, en connexion avec lui, en communion avec lui. Et avec son amour. Alors je vous invite à vous lever et à chanter cet amour de Dieu qui dépasse ce que nous connaissons dans la vie, cet amour qui est si grand et qui nous fait grandir, pousser, vraiment vivre dans quelque chose de joyeux, de juste et lumineux et joyeux.
Je vous invite à rester debout. Nous allons encore chanter notre joie, mais je vous invite à prier. Merci, notre Dieu, de t'être rendu proche de nous. D'abord par ta parole, qui, bien plus qu'une loi ou un enseignement, nous révèle qui tu es, nous révèle ton amour. Viens nous parler, nous interpeller jour après jour. Merci parce que tu n'en es pas resté à la parole, mais tu as joint le geste, la vie. En Christ, parole devenue chair, tu es venu nous rejoindre pour nous inviter dans la joie de ton amour et de ta justice, pour toujours, pour nous faire entrer dans ta lumière. Alors oui, Seigneur, nous voulons te bénir, te chanter, te célébrer. Loué sois-tu. Amen. Amen. Et je vous invite à chanter. J'invite beaucoup ce matin. J'espère que tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer que tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie. Dieu nous appelle à la joie, mais seulement en fonction de notre tempérament, de notre culture. La joie se manifeste différemment. Il y a des personnes qui sont très exubérantes, d'autres qui ont simplement un regard lumineux. Il y a des façons différentes d'exprimer notre joie dans le Seigneur, mais il y a aussi des moments différents dans notre vie. Et il faut dire, quand on parle de joie, qu'il y a aussi des moments où cette joie du Seigneur, on ne la ressent pas, ou on ne la ressent plus. Parce qu'on est dans la tristesse, dans la perte, dans la frustration, dans la peur, parce qu'on se sent accablé ou écrasé par des circonstances, parce qu'on se sent vide, peut-être aussi parce qu'on se sent honteux ou coupable devant Dieu ou devant quelqu'un. Ça peut être des circonstances extérieures qui nous privent de notre joie ou un blocage intérieur. Ça peut être quelque chose dont on est victime, ou quelque chose dont on est responsable. Il y a différentes raisons pour lesquelles on peut manquer de joie dans notre vie spirituelle. Et pourtant, à chacun d'entre nous, Dieu offre son amour et sa joie, cette étincelle qui vient réchauffer notre cœur, qui vient alléger notre pas. Alors je vous propose un temps de silence,
voilà, vraiment où, dans le calme, le secret de notre cœur, nous pouvons nous confier à Dieu et éventuellement lui confier ce qui nous accable et lui demander son pardon, sa consolation, sa protection, sa grâce, sa présence en fonction de ce que vous vivez, simplement dans ce temps de silence. Et puis je conclurai. Je vous invite à prier. Ô notre Dieu, merci d'avoir envoyé Jésus, ta lumière, dans notre monde, dans notre vie. Merci parce que lui-même a absorbé sur la croix les noirceurs de notre monde et de notre cœur. Louange à toi, toi dont la vie, l'amour, la justice, la force ont triomphé du mal et de la mort. Merci parce que tu as tout accompli. Tu as parcouru tout le chemin jusqu'à nous pour nous faire entrer dans ta joie, dès aujourd'hui et pour toujours. Alors que ton esprit vienne renouveler notre cœur, que nous puissions recevoir à nouveau ta grâce et ta joie. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter comme une façon de réenraciner dans notre cœur cette promesse et cette offre que le Seigneur nous offre en Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Lors de son dernier repas de la Pâque avec ses disciples, Jésus a invité ses disciples à se remémorer constamment par la suite ce moment clé de l'histoire où Jésus meurt sur la croix pour ressusciter. Il annonce à l'avance, hein, il n'est pas encore mort quand il est avec ses disciples et qu'il partage avec eux ce repas, mais il annonce à l'avance ce qu'il va vivre, il le dit de façon un peu voilée, les disciples ne comprendront qu'après. Il annonce à l'avance ce qu'il va vivre, mais il les invite déjà à répéter régulièrement ce geste qui les renvoie à la réalité de la croix. Je vous invite à écouter la façon dont Jésus a vécu ce repas avec les disciples, donc dans l'évangile de Luc. Quand l'heure fut venue, Jésus s'installa pour le repas de la Pâque avec les apôtres. Et il leur dit : J'ai désiré manger ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Je vous le dis, je ne mangerai plus ce repas jusqu'au jour où Dieu l'offrira dans son royaume. Alors il prit du pain, il remercia Dieu, il partagea le pain et il le donna aux disciples en disant : C'est mon corps donné pour vous, faites cela en souvenir de moi. Puis il prit la coupe de vin et dit : Cette coupe, c'est la nouvelle alliance de Dieu en mon sang. Buvez-en tous. Ce repas, c'est une façon, il me semble, d'ancrer, d'enraciner concrètement en nous cette promesse, cette espérance que Jésus nous sauve sur la croix. C'est une certitude qui ne reste plus dans notre tête, mais qui prend chair en nous, en quelque sorte. Je vous invite à vous lever pour qu'on puisse partager ce temps de simplement d'enracinement, que nous puissions nous approprier cette réalité du salut en Christ, pour participer, peu importe d'où vous venez, qui vous êtes, votre âge, peu importe, si vous croyez que en Christ se trouve votre salut, votre pardon, votre espérance. Si vous voulez le suivre parce que vous croyez que seul lui peut nous conduire jusqu'à Dieu, alors prenez. Le pain va passer dans les rangs, les plateaux avec le vin et le jus de raisin aussi. Sentez-vous libre vraiment de participer. Précision, les gobelets un peu plus remplis sont ceux remplis de jus de raisin pour ceux qui ne prennent pas de vin. Si vous êtes en question, en doute, si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison quand même, mais si vous n'êtes pas prêt à dire « oui, je crois », eh bien profitez de ce moment pour vous poser la question. Qu'est-ce que le Christ représente pour vous ? Qu'est-ce que Dieu a à vous dire et qu'est-ce que vous voulez lui répondre ? Pour vivre ce temps et pour distribuer surtout le pain et les plateaux, je demanderai à 8 personnes de venir devant, si c'est possible, des personnes qui ont déjà distribué la scène, qui vont distribuer sous la houlette de Didier. Pas tous en même temps. C'est bien, les cultes, c'est un lieu d'ordre. Et si 2 personnes supplémentaires voulaient bien venir devant pour aider à distribuer, quoi que ce soit, oui, si ça serait bien, c'est plus fluide. Merci, encore une, s'il vous plaît. J'ai l'impression d'être aux enchères à chaque fois. Merci beaucoup. Je vous propose de prier.
Seigneur notre Dieu, tu connais notre faiblesse, notre fragilité. Merci pour ce geste de la scène qui tourne nos regards vers le fait que tu as tout accompli en Christ. En toi, sur toi, nous pouvons nous reposer, nous asseoir, nous assurer. Oui, notre salut vient de toi. Il est solidement établi dans ta main. Nous voulons te remercier encore pour l'immense, l'incommensurable grâce que tu as démontrée en venant toi-même parmi nous, en endurant la mort, le jugement, pour nous délivrer, pour nous permettre de vivre libres, heureux dans ta présence. Permets, Seigneur, que la réalité de ta grâce s'ancre dans notre cœur, prenne racine dans notre cœur et qu'elle grandisse, porte du fruit dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous vivons. Amen. Le pain que nous partageons nous rappelle la mort du Christ sur la croix, son corps brisé à notre place, à cause de nos fautes qui nous écrasaient devant Dieu. Et la coupe à laquelle nous buvons nous rappelle le sang du Christ qui a été versé. Mais nous ne prenons pas ce repas dans la tristesse. Nous le prenons dans la reconnaissance, dans la confiance et dans l'espérance. Ce que le Christ a fait, c'était pour nous ouvrir un chemin vers Dieu, un chemin pour vivre pour toujours dans son royaume. Alors je vous invite à célébrer notre Dieu qui triomphe de toutes les ténèbres et qui nous offre sa lumière. Je vous invite à le chanter pendant que le pain et le vin passent dans les rangs. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
prions. Oui, Seigneur, nous croyons. Nous croyons que en Christ, tu fais toutes choses nouvelles. Que déjà, tu as établi les fondements d'une nouvelle ère. Et nous attendons ton retour. Accorde-nous, Seigneur, la joie de ta présence, la joie de ton espérance. Et garde-nous orientés vers toi. Amen. Pour la prédication de ce matin, j'aimerais m'arrêter sur un verset, un seul, tiré du prophète Ésaïe, un verset qui décrit de façon assez paradoxale la façon dont Dieu intervient dans notre histoire, dans notre vie. Alors je vous le lis, puis après je vous donne le contexte. Donc Ésaïe 60, verset 22, c'est Dieu qui s'exprime à travers Ésaïe. « Moi, le Seigneur, je ferai cela très vite, quand ce sera le moment. » On pourrait dire aussi, « Moi, le Seigneur, en temps voulu, j'agirai vite, ou je me dépêcherai de le faire, ou je le hâterai. » Alors, de quoi Ésaïe parle-t-il, ou plutôt de quoi Dieu parle-t-il dans ce texte? Que projette-t-il de hâter? Dans le contexte, Ésaïe, comme la plupart des prophètes de l'Ancien Testament, a averti son peuple qu'il risque de perdre tout s'il continue à mépriser Dieu et sa justice. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ et Ésaïe annonce ainsi l'exil à venir pour le peuple d'Israël. Dans les oracles d'Ésaïe, il y a une bonne part d'avertissement, mais la deuxième partie de son livre apporte une lueur, enfin plus qu'une lueur, un soleil d'espoir. Au-delà de l'exil, au-delà de la déportation qui vont avoir lieu dans quelques années, Ésaïe annonce de la part de Dieu un rétablissement, le retour de l'exil, mais aussi la restauration de l'honneur du peuple. Tout ce qu'ils ont perdu, ils le retrouveront. Partout où ils ont été blessés, ils seront guéris, débordants de vie. Et le chapitre 60, c'est un chapitre lumineux, assez long, mais exubérant, débordant d'espoir et de joie. Les îles chantent, se réjouissent. Vous voyez vraiment, c'est grande, grande, grande joie. Ésaïe utilise un langage très poétique, intense. Il commence ainsi, par exemple, au verset 1. « Jérusalem, lève-toi, brille, brille déjà, car le soleil se lève. » Même si les ténèbres couvrent encore la terre, le soleil se lève. Et il y a une telle espérance dans ces paroles que, sans nul doute, ça a dû faire impression à ceux qui l'ont entendu la première fois et ça continue de nous marquer aujourd'hui. Ésaïe, là, parle de l'action de Dieu pour son peuple. Donc, ceux qui étaient écrasés seront debout, ceux qui étaient vides étaient pleins, sera plein, etc. À cause de sa fidélité, Dieu, même s'il est bouleversé par l'injustice de son peuple et qu'il doit agir pour stopper leur comportement, à cause de sa fidélité, Dieu les fera revenir, les rétablira et les bénira. Les promesses de ce chapitre annoncent un horizon à moyen terme, si vous voulez. Dans quelques années, donc, Ésaïe est au 8e siècle avant Jésus-Christ. En 587, le royaume de Juda autour de Jérusalem sera déporté en Babylonie. Et puis en 537, ils reviendront effectivement, enfin en tout cas une partie reviendra sur ces terres et pourra reconstruire la ville et le temple. Mais les promesses de ce chapitre dépassent le contexte seul du pays d'Israël, puisqu'Ésaïe annonce même un temps où il n'y aura plus besoin de soleil, parce que Dieu lui-même éclairera son peuple.
Alors on pourrait dire que c'est une image, que c'est une façon de dire que Dieu sera présent au milieu de son peuple pour les guider, pour les orienter, pour les remplir de sa présence. Mais c'est une image qui est reprise dans le Nouveau Testament, notamment dans l'Apocalypse. L'apôtre Jean ne parle pas là seulement du pays d'Israël, mais il parle pour le monde entier en disant qu'il n'y aura plus de soleil. Donc encore une fois, où est la part de l'image, où est la part de ce qui est désigné, je ne sais pas. Mais que le Seigneur, dans toute sa pureté, sa sainteté, sa justice, sa bonté, le Seigneur illuminera pleinement notre monde, plus de zone d'ombre. Il illuminera pleinement notre monde et nos vies. Et c'est un règne de Dieu qui est manifesté parfaitement, pleinement, concrètement, sur terre et sans frontières. Jésus, d'ailleurs, lorsqu'il demande à ses disciples d'annoncer le royaume de Dieu, ne le cantonne pas aux frontières d'Israël, hein. C'est à tous les peuples qu'il faut annoncer la venue du règne de Dieu et la réalité de sa grâce offerte en Christ. Donc, si je récapitule, dans les paroles d'Ésaïe, que je ne vous ai pas lues, il y a des promesses pour son peuple dans un proche avenir, le petit royaume autour de Jérusalem. Et il y a une part qui touche aussi à une réalité beaucoup plus large dans laquelle nous rentrons, nous aussi, une réalité universelle. L'instauration du règne lumineux de Dieu dans le monde, un règne que Jésus amorce par sa venue sur terre. Il le fait en vivant pleinement, de façon pleinement juste, et puis en mourant sur la croix, en portant nos fautes, les fautes de notre monde sur ses épaules, et dans sa résurrection qui ouvre un chemin d'espoir. Ce qui fait qu'une partie des promesses d'Ésaïe ont déjà été accomplies. Israël est effectivement revenu en 537 avant Jésus-Christ sur sa terre. Mais une autre partie de ces promesses, on va dire le soleil qui disparaît et Dieu qui illumine notre monde de sa pleine et pure présence, ces promesses-là sont encore en attente d'accomplissement. Et nous sommes encore en attente. Maintenant que nous avons le contexte, je reviens à notre verset. « Moi, le Seigneur, je ferai cela très vite, quand ce sera le moment. » Cette formulation est assez paradoxale, très paradoxale, dans le rapport au temps. « En temps voulu, quand ce sera le moment ?» semble indiquer qu'il nous faut attendre, qu'il ne faut pas se précipiter, qu'il ne faut pas être impatient. Ça évoque une certaine attente. En contraste, l'action de Dieu sera, elle, très rapide dans son exécution. Préparation des JO oblige, j'ai pensé à une image en sport. Pour un sprint, en athlétisme par exemple, mettez un 100 mètres, on se prépare, je dis on, c'est les athlètes, hein. Les athlètes se préparent, se mettent dans les starting blocks, se conditionnent, il y a un peu le compte à rebours qui commence, la tension monte, il ne se passe pas grand-chose, hein. Ils sont là, statiques, mais en fait tout se prépare et la course démarre. Les athlètes se jettent en avant, au niveau olympique il faut compter 10 secondes pour les hommes pour un 100 mètres et 11 secondes pour les femmes. En fait, ça y est, là, le temps de dire ça, la course est finie. Ils sont déjà au bout de la rue s'ils sont partis d'ici. L'action de Dieu sera rapide comme un sprint, même peut-être plus comme la foudre. Ce sera quelque chose d'intense, d'étonnant, de fulgurant qui donnera le tournis parce que ces projets, après une lente préparation, se réaliseront d'un coup, comme la foudre qui tombe. Jésus utilise une autre image dans une parabole. Il parle de Dieu qui vient comme un voleur. C'est un peu bizarre de comparer Dieu à un voleur, mais il utilise cette comparaison pour dire que lorsque Dieu agira, on sera comme pris en surprise. Par surprise, je veux dire, on sera étonné, décontenancé, un peu sonné par son action extrêmement rapide et efficace. Mais ce sera au moment voulu, au bon moment. L'apôtre Pierre, dans un texte
chapitre sur lequel j'ai prêché avant Noël, donc je ne vais pas me répéter, dans 2 Pierre 3, réconforter les chrétiens en disant que Dieu n'est pas en retard dans son action. Il dit, vous inquiétez pas, Dieu n'est pas en retard, simplement, c'est le temps de sa patience. Le verset de ce matin va dans le même sens. Dieu n'est pas en retard. Quand Dieu dit qu'il agira très vite, ça sous-entend qu'il est prêt déjà. Ça sous-entend qu'il n'est pas négligent, qu'il ne fait pas traîner les choses, qu'il n'est pas indifférent, qu'il n'est pas impuissant non plus, comme s'il y avait des obstacles. Vous voyez, dans l'organisation, il y a eu un problème pour réaliser ses projets, donc du coup, il faut attendre, il a pris du retard. Non, pas du tout. Dieu attend simplement le bon moment, le meilleur moment. Et là, nous n'avons pas d'autre choix que de faire confiance à sa sagesse qui supervise l'histoire humaine. Nous ne sommes que des participants, mais Dieu, lui, est au-dessus, il a cette vision globale, et nous devons lui faire confiance. Dieu n'est pas en retard. Mais ce qui est frappant dans cette phrase, il me semble, c'est que non seulement Dieu n'est pas en retard, mais il n'est pas non plus en avance. Nous, on aimerait bien qu'il soit en avance. Dans certaines régions, pas à Toulouse, hein, mais dans certaines régions, être en avance, c'est un gage de caractère, vous voyez, de bon caractère. Moi, bon, ici, pas du tout. Hein. Mais ce n'est pas toujours bon d'être en avance. Même le meilleur athlète, s'il est prêt et qu'il part avant le top départ, ben il est éliminé. Ce n'était pas le bon moment pour partir. Une naissance, par exemple. Entre 8 et 9 mois, c'est bien, de grossesse. Hein. En avance, lorsque l'enfant est prématuré, ça pose un certain nombre de complications. Il vaut mieux pour l'enfant qu'il puisse naître au bon moment, ni trop tard, ni trop tôt. Dans le contexte que je vous ai décrit tout à l'heure, le verset parle de grandes étapes historiques. Le retour d'exil, donc qui s'est effectivement joué en très peu de temps, le peuple était dans l'exil et d'un coup, nouveau roi, nouvel empereur, qui s'appelle Cyrus le Perse, cet empereur décrète que tous les exilés vont avoir le droit de rentrer chez eux. Mais d'un coup, il n'y a pas eu de négociation. Ça s'est fait comme ça. Et le peuple, a pu commencer à rentrer par vagues. La venue de Jésus, par exemple. Tout le monde attendait le Messie. Le nombre de gens qui vont voir Jésus en disant « Mais c'est toi le Messie, c'est toi qu'on attendait. » Il y avait vraiment une attente parmi les Juifs de l'époque. Et pourtant, lorsqu'ils l'ont vu à l'œuvre, ils ont été surpris. Et pourtant, ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas compris. Ils ont été dépassés. Et puis, ce que nous attendons, l'avènement d'une nouvelle ère, ben, en fait, je ne peux pas vous dire comment ça va se passer, parce qu'on attend encore. Mais les exemples qui sont donnés dans l'histoire du salut nous montrent que Dieu intervient rapidement, au bon moment, mais rapidement. Cela dit, il me semble qu'au-delà de ces grandes étapes de l'histoire du salut, ce verset nous dit quelque chose du fonctionnement de Dieu en général. Ce n'est pas uniquement pour les grandes étapes qu'il est comme ça, c'est un peu pour tout dans notre vie, dans nos interactions quotidiennes avec lui. Dieu agit au bon moment, ni en avance, ni en retard. Je pense par exemple à cette prière de Jésus, le Notre Père, qui invite à demander à Dieu notre pain quotidien. Alors, quand on dit le pain, c'est pas seulement le pain, c'est aussi toutes les ressources dont nous avons besoin aujourd'hui. Jésus n'imagine pas Dieu en train de remplir nos caves de pain sous vide, voyez ? Il n'imagine pas Dieu nous donner des choses à entasser, pour être sûr que plus tard, on aura les ressources nécessaires pour faire face à ce que nous allons vivre. Non, il nous donne le jour J, ce dont nous avons besoin au jour J. Pour lui, ça n'a pas de sens de donner à l'avance ce dont nous aurons besoin plus tard, pas plus que ça n'aurait de sens pour un prof de mathématiques de donner à un élève de 6e les clés pour résoudre une équation différentielle linéaire. Moi non plus, je ne sais pas ce que c'est.
pu aller regarder les programmes de maths en licence. Mais c'est ça, ça n'a pas de sens. Il faut le temps qu'on y arrive. Et pour Dieu, il donne au bon moment ce dont nous avons besoin au moment. Un autre exemple, lorsque Dieu prend soin de son peuple dans le désert à la sortie d'Égypte, alors là, on remonte dans le temps, à l'époque de Moïse, à la traversée du désert, donc à peu près 1500 ans avant Jésus-Christ, Dieu, pour les nourrir dans le désert, envoie la manne, avec une interdiction, interdiction de faire des provisions. On ramasse ce dont on a besoin aujourd'hui. Alors, ils ont le droit de ramasser autant qu'ils veulent. Pour les gros appétits, il n'y a pas de problème. Mais ça pourrit le lendemain. On n'a pas, sauf le jour, enfin, en prévision du jour du sabbat, pour que le peuple soit libéré de cette tâche et puisse pleinement se concentrer sur Dieu. Mais on n'amasse pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous est donnée au moment voulu, au bon moment, dans ce que nous avons à vivre. Il nous donne aujourd'hui ce qu'il trouve nécessaire de donner aujourd'hui. Il réalise aujourd'hui ce qu'il trouve approprié de réaliser aujourd'hui. Même si c'est en décalage avec ce que nous percevons de la situation. Parce que nous aimerions qu'il aille plus vite. Notre perception du temps, elle est souvent très différente de celle de Dieu, non seulement parce que nous sommes humains, mais aussi parce que lorsqu'une situation est difficile ou délicate ou douloureuse, le temps nous paraît long. Lorsque nous n'avons pas, lorsque nous ne savons pas à l'avance comment ou quand l'histoire va se terminer ou cette étape va se conclure, nous sommes pétrifiés, nous sommes paralysés, nous sommes inquiets. Est-ce que ça va durer toujours? Est-ce que nous aurons les forces de tenir? Nous prions, nous crions à Dieu et le temps semble long. Mais Dieu nous rappelle ici qu'il agit au bon moment, dans le bon timing. Et du coup, il attend que nous lui fassions confiance. Que nous nous rappelions qu'il est, lui, le Créateur, débordant de puissance, de sagesse. Il nous invite, comme des membres d'équipe, à accepter ses choix de production, ses choix de chef, de superviseur, de celui qui a la vision d'ensemble. Mais ça interroge notre foi. Lorsque nous sommes dans ces temps de prière où nous demandons à Dieu, où nous crions à lui, lorsque nous sommes dans l'épreuve, dans la souffrance, dans la difficulté ou dans le désert, est-ce que nous croyons que Dieu fait les choses au mieux? Est-ce que nous croyons que Dieu est capable de faire les choses? Quand on parle de foi, il y a cette part de confiance envers Dieu, la confiance qui croit que Dieu est bon, voilà, je lui fais confiance, je l'aime, mais il y a aussi une confiance dans ce qu'il fait, que Dieu est bon dans ce qu'il fait, il est compétent. Et il agit dans le bon timing. Une petite remarque, parce que je pense que c'est souvent là que le bât blesse dans nos épreuves et dans nos difficultés. Dieu est si bon dans ce qu'il fait qu'il ne fait pas toujours ce que nous voulons. Dieu répond à nos prières, oui, mais il ne les exauce pas toujours. Un exemple. Vous priez pour devenir riche. Dieu ne vous enverra pas forcément de l'argent. Peut-être répondra-t-il à votre besoin de sécurité en vous envoyant des signes qu'il est là et qu'il prend soin de vous jour après jour. Ou bien peut-être qu'il vous interpellera sur votre vision de la vie, sur vos priorités, sur votre éducation, votre culture. Dieu répond. Ça, c'est sûr. Mais il n'exauce pas toujours nos prières telles que nous les avons formulées. Dieu répond à nos prières parce qu'il se tient proche de nous. Et il me semble qu'on retrouve de ça dans le verset d'Ésaïe. Moi, le Seigneur, j'agirai vite au bon moment. Dieu est prêt
avec les deux orthographes. Il est préparé, il se tient prêt pour faire les choses, et puis il est près de nous, il est proche de nous. Il ne nous abandonne pas dans un coin en se disant un jour « Ah oui, tiens, au fait, il faut que je m'occupe de lui ». Non, il est proche de nous. Et si nous ne voyons pas encore son œuvre se réaliser dans notre vie, par exemple, c'est parce que ce n'est pas encore le bon moment. Mais il est là, il est prêt, et prêt. Et nous pouvons nous appuyer sur lui aujourd'hui. Il est à côté de nous, il vient nous rassurer, nous encourager. Il se souvient de nous. À titre collectif, c'est là ce qu'il annonce à son peuple dans l'Ancien Testament, et à titre individuel, il se souvient de nous. Dieu agit au bon moment, ni en retard, ni en avance. Et j'ai été surprise, du coup, de retrouver cette expression « se hâter, se dépêcher » dans certains psaumes, sous forme de prière. Alors, je ne vais pas vous énumérer tous les psaumes, hein, mais il y en a 4 ou 5 au moins qui utilisent cette expression « Ô Dieu, viens vite à mon secours. Hâte-toi, dépêche-toi de me venir en aide. » Je ne sais pas si vous osez dire ça dans vos prières. Alors après avoir réfléchi sur la sagesse de Dieu qui agit toujours dans le bon timing, on pourrait regarder ces prières de haut en disant « Mais enfin, si tu fais confiance à Dieu, accepte qu'il va agir au moment voulu, au bon moment, toi tu ne sais pas, tu n'as qu'à attendre et puis c'est tout, fais confiance. » Mais Dieu accepte nos prières, les prières où on lui dit « dépêche-toi », nos prières sincères, ferventes, parfois pétries de questions, d'incertitudes, de souffrances aussi. Dieu les accepte, il les reçoit. Elles ne sont pas impertinentes, bien au contraire, parce qu'elles expriment notre attente, notre désir que Dieu agisse. Dans notre spiritualité, on peut tout à fait conjuguer la confiance en Dieu. Dieu est capable, il est compétent, il est bon, il est sage, il est puissant. Et notre attente, notre besoin, notre cri vers lui. Cette demande répétée, insistante, qui dit aussi notre implication, qui dit aussi que nous sommes tendus vers lui, vers son action. Nous croyons que Dieu s'implique dans notre vie et dans notre histoire. C'est ça qu'il dit, j'agirai vite, je serai là, je suis là. Nous croyons qu'il se prépare à agir comme un athlète de haut niveau. Mais nous, où sommes-nous? Le croyant se tient sur le côté de la piste. Ce n'est pas lui, hein, l'athlète de haut niveau. Mais il ne tourne pas le dos à la piste en faisant autre chose. Il est tourné vers Dieu. Concentré lui aussi, tendu vers la course, orienté vers ce que Dieu va faire, attentif dans son attente. Peut-être qu'il y aura besoin d'apporter quelque chose sur la piste juste avant le début. Peut-être qu'il faudra participer. Notre confiance en Dieu nous engage. Dieu se prépare. Est-ce que nous croyons que c'est vrai? Mais si nous croyons que c'est vrai, nous, quelle est notre place là-dedans? Comment nous préparons-nous à ce qu'il va faire? Thank you.
nous arrivons vers la fin de notre culte. Quelques annonces avant de prier ensemble. Samedi et dimanche prochain, à 19h30, il y aura la pièce de théâtre Marc l'expérience, donc une mise en scène de l'évangile de Marc en entier, par des étudiants. Donc c'est organisé par les groupes bibliques universitaires. Il y a des jeunes de notre église et des jeunes aussi d'autres communautés. Donc à 19h30, samedi prochain et dimanche prochain, vraiment, je vous encourage à venir et à inviter. Si vous connaissez déjà Jésus, que vous avez déjà la foi, c'est une façon, fraîche de redécouvrir les évangiles, de voir Jésus peut-être un peu autrement ou de nous mettre à son écoute un peu autrement. Et puis, si vous-même ou vos proches sont en cheminement, c'est aussi une façon fraîche de redécouvrir l'évangile. Et vraiment, je vous encourage à venir et à inviter. C'est extrêmement parlant. Il y a une mise en scène très sobre, n'est-ce pas? Je me tourne vers les acteurs. Mais en même temps, tellement parlante où vraiment le texte, il me semble, nous percute. En tout cas, ça a été mon expérience les fois où j'ai pu assister. Donc, ouvert à tous. Vraiment accessible à tous. Donc à partir de 19h30, mais venez en avance, disons jusqu'à 19h15, parce qu'ensuite, pour qu'il y ait du calme avant le début de la pièce, les portes seront fermées. Dimanche prochain, après le culte, nous aurons un temps d'échange au sujet de la rentrée de septembre. Donc avec mon passage à mi-temps, les adaptations que nous allons mettre en place. Je vous ai envoyé par lettre hebdomadaire les diapositives qui avaient été présentées à l'Assemblée générale et Audrey les a affichées dans le hall. Vous avez là le récapitulatif des informations. L'idée la semaine prochaine, c'est qu'on ne va pas forcément apporter beaucoup d'autres choses à ce qu'on a déjà dit en AG, mais simplement ouvrir à tous, que vous soyez membre ou pas, et surtout vous écouter, avoir un temps d'échange, de réflexion commune sur la façon de vivre cette année, l'année prochaine, donc une année un peu différente, une période de transition. Et après ce temps d'échange, qui sera juste après le culte, il y aura un repas d'église partagé. Donc voilà, vous êtes invités à venir, bien sûr, avec un plat, une spécialité, alors sucré, salé ou les deux si vous êtes nombreux. Mais pour partager un temps de fraternité, de convivialité ensemble. Un peu plus loin, le 1er mai, nous aurons notre journée régionale annuelle au niveau des églises de notre union et nous la passerons à Castres, donc de 10h à 16h à peu près. L'idée, c'est de vivre un culte avec les croyants des différentes églises de la région et puis d'avoir des petits ateliers donc, où on va creuser ensemble cette thématique, être celle de la terre, vivre mes engagements comme un champ de mission. Si vous êtes intéressé pour y aller, on peut tout à fait covoiturer. Je pense qu'on partira de l'église vers 9h moins le quart. Donc, si vous êtes intéressé, venez me voir pour que je puisse organiser tout ça. Oui. Ah oui, c'est le 1er mai, il n'y aura pas de métro. Donc, on ne se donnera pas rendez-vous à l'église. On va organiser ça autrement. Merci, c'est très sage. Donc, si vous êtes intéressé, venez me voir pour que je puisse organiser le service de ramassage. Un peu plus loin en mai, simplement pour vous dire que le vide-grenier du 25 mai est confirmé. Voilà, toute l'équipe est en place. Donc on reviendra vers vous en courant du mois de mai pour vous donner plus de précisions. Et puis aujourd'hui, après le culte, vous êtes invités à rester pour un repas qui est déjà prêt. Donc même si vous n'aviez pas prévu, vous êtes les bienvenus. Donc un repas qui est tout prêt et à 14h, que vous ayez mangé ici ou pas, on projettera un film hors norme, enfin c'est le titre, hors norme donc, qui, euh,
qui évoque notamment le travail auprès des personnes sur le spectre autistique. Donc, un film qui avait été très salué lorsqu'il est sorti. Et j'ai oublié la date, mais c'est un film assez récent. Donc, si vous voulez le voir ou le revoir, et surtout discuter autour de ce film à la suite du visionnage, vous êtes les bienvenus. Ça commencera à 14h. Est-ce que j'ai oublié une annonce importante ? Non. Alors, je vous invite à vous lever. Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous voulons te confier notre route aux uns et aux autres. Nous te prions de nous aider à y marcher avec foi, en te faisant confiance, mais en étant aussi résolument tournés vers toi, attentifs à ce que tu nous donnes jour après jour comme signe, comme nourriture, comme encouragement, comme orientation. Garde-nous attentifs à ta présence et permets-nous d'être nous-mêmes présents à ce que toi tu fais, concentrés sur ce que tu fais. Et nous avons bien besoin de ton esprit, Seigneur, pour rester proche de toi. Alors, oui, garde-nous dans ta présence. Nous te confions aussi ceux qui, parmi nous ou près de nous, sont particulièrement accablés, découragés, dans le doute ou la souffrance, ceux qui prient, qui crient vers toi, ceux qui n'en peuvent plus. Accorde-leur ta paix et ta grâce et agis, Seigneur, dans leur vie. Interviens. Nous croyons que tu interviendras de la meilleure des façons, mais nous t'en prions, interviens. Et nous te confions notre monde aussi, plus largement. Tellement blessés par tant de souffrances, d'injustices, de violences, tant de recherches et tant d'errances. Seigneur, nous t'en prions, révèle-toi. Que ta grâce, ta justice, ta paix se répandent dans notre monde, oui, que ton règne vienne, que ta volonté se réalise. Amen. Et pour terminer notre culte, je vous propose de chanter notre assurance que chaque matin, pas seulement aujourd'hui, mais demain aussi, nous pourrons compter sur Dieu. Par amour, tu viens pour voir la mer.
latin, choisis d'ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint. Et dans l'épreuve, tu mets en moi tes fleurs. Tu es mon Dieu, je vais te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Dans le désert et la souffrance, dans le bonheur et l'abondance, je sais que tu es là. Tu restes près de moi. Dans le désert et la souffrance, dans le bonheur. Une parole de l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens qui réunit un peu tout ce que nous avons dit pendant ce culte, enfin tout ce que j'ai dit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Soyez bons avec tout le monde. Le Seigneur vient bientôt. Il est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, la paix de Dieu gardera votre cœur, vos pensées, unies à Jésus-Christ. Alors que le Seigneur vous garde dans sa paix, unis au Christ Jésus. Amen. Voilà, vous avez toute la chanson. רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים